Sur la piste de l'école de cirque de Oisé, on rencontre des petites et des grandes étoiles. On y apprend plein de trucs. Grand écart, la souplesse, le pont. Et des fois, vous êtes suspendu dans les airs. Oui. Ça te fait pas peur, ça, quand t'es dans le cerceau en l'air? Non, ça me fait pas peur. Un petit peu quand même. Ça va, Zoé? Oui. Depuis mes 6 ans, je voulais en faire. Du coup, mes parents m'ont acheté des balles et des assiettes chinoises. Et j'ai commencé à en faire et après, ils m'ont inscrit. Parce que j'ai pas arrêté d'y penser. Toutes sont les jambes. Voilà. Et tu trouves ça comment, le cercle? Toi, c'est magique, c'est triste? C'est génial. Allez, quand je te dis hop, tu y vas. Allez, hop! Le maître des lieux, c'est John Fratellini, descendant de Gustave, le fondateur du cirque Fratellini. Essaye de monter à la corde, vas-y, re-essaye. Après une carrière de jongleur acrobate à travers toute l'Europe, il a planté son chapiteau en pleine campagne sartoise. Les enfants des environs entretiennent sa passion. Les petits, c'est plus de l'amusement. Et les grands, ils apprennent quelque chose d'important. Mais il y en a qui sont vraiment accros, on les voit. Et John n'est pas le seul professeur. Pousse bien sur les bras, pareil. Ici, les plus grands, comme Hippolyte, aident les plus petits. Quand on y vient, c'est vraiment un monde à part. C'est vraiment, on est là, même en plus, c'est sous un chapiteau. Donc on est vraiment l'impression d'être... On est entre nous et une sorte de famille, en fait. On partage énormément de choses. Allez, rentre la tête. Hop là. Des fois, ça donne envie de recommencer. Maintenant, vas-y, roule. On voit certains comme Hippolyte, là, qui fait des acrobaties, tout ça. Quand je le vois faire, ça me donne envie de le faire. Non, c'est mieux pas que je fasse. Et John peut garder le sourire, la relève est assurée.